35 km de Perpignan, en Catalogne française, à la frontière de l'Espagne, le terroir des crus Banyuls et Collioure offre un petit vignoble de 1700 hectares morcelés, accroché sur des schistes vieux de 500 millions d'années. Aucun autre terroir en France n'est aussi extrême, tant sur le plan climatique que géomorphologique, exigeant de chaque génération de vignerons des solutions adaptées. Dans les années 80, la mécanisation agricole remet brutalement cet héritage en question, faisant de ce vignoble et de son histoire un exemple des enjeux de la modernité. Le climat de Banyuls a ceci de particulier qu'il est à la fois montagnard, puisqu'on est sur le rebord des Pyrénées, on est sur le flanc oriental des Pyrénées, et qu'il est très marqué par la proximité de la mer, puisqu'il y a beaucoup de vignes qui tombent directement à pic dans la mer, avec des pentes complexes et extrêmement fortes. On n'a pas besoin de la pente pour bénéficier du soleil. On est très au sud. Ici, il y a du soleil partout. Mais la pente a un énorme avantage, c'est qu'elle évite la stagnation des eaux. Et la vigne déteste particulièrement d'avoir les pieds dans l'eau. Dans la mesure où les sols sont relativement peu épais, et que sur des pentes de ce type, dès qu'il pleut très fort, et on est en climat méditerranéen très accentué ici, il y a des pluies violentes, à ce moment-là, le sol s'en va. Et ça, c'est extrêmement dangereux, et c'est un des problèmes de la viticulture à Banyuls, et de l'agriculture à Banyuls. Il n'y a pas toujours eu une monoculture de la vigne, il y a eu d'autres cultures à Banyuls, et le problème a été de garder le sol en place.